Bonsoir à toutes et tous. Je vois que la pluie ne vous a pas découragé, donc c'est parfait. Je vais officier ce soir parce que Bruno Delmas est en cas contact COVID. Il a préféré s'abstenir de venir, donc je le remplace ce soir. Je vais commencer par un bref rappel des conférences ou visites à venir. Celle qui aura lieu le 6 novembre, qui est la visite de l'église Saint-Joseph des Carmes, et le jeudi 21 novembre, notre conférence qui sera prononcée par Michel Thibault, qui est conservateur général honoraire du patrimoine. Ce soir, nous passons très vite à la conférence de ce soir qui va être prononcée par Monsieur Claude Ribes, qui est normalien, agrégé de philosophie. Qui a un lien particulier avec le 6e arrondissement, puisqu'il est conseiller d'arrondissement, qui s'est intéressé à un personnage qui a la même origine que lui, guadeloupéenne, qui est donc Guillaume Lesquière, qui est un personnage, il va nous raconter, assez extraordinaire. Il s'est intéressé également au général Dumas, il s'est intéressé au chevalier de Saint-Georges. On voit là un fil conducteur dans sa démarche. Il a été entre 2005 et 2008 membre de la Commission nationale de consultation des droits de l'homme. Et en 2023, il a réalisé un film justement sur ce peintre qu'il va nous faire découvrir ce soir. Puisque il y avait 100 ans, en 1823, il avait fait don à la République de Haïti de ce tableau qui donc est le, j'allais dire le héros, le second héros de ce soir. Merci, Madame la Secrétaire Générale, pour cette présentation. Le fait que je sois aussi élu n'est pas complètement contradictoire, parce que je suis chargé de la mémoire dans cet arrondissement, et la mémoire de Lethière, eh bien, on va essayer ce soir de contribuer à la faire vivre à travers cette conférence. J'en profite donc pour remercier la mairie, mes collègues de la mairie, le maire du 6e arrondissement qui nous accueille et qui accueille la société de manière très régulière, le conseiller, plus exactement mon collègue qui est maire adjoint, M. Olivier Passelet, qui est aussi mon ami et donc qui est très soucieux de faire en sorte que ce type de conférence prospère. Je salue aussi, donc, bien évidemment, tout le bureau de la société historique du 6e arrondissement. Et vous en particulier, Madame la Secrétaire Générale, parce que vous avez fait allusion à un film et vous étiez là aux Archives nationales au moment où le tournage, la partie du tournage qui concernait les Archives nationales avec Monsieur Ricard, donc, qui a bien voulu participer au film, a eu lieu donc il y a de cela un an. Alors j'imagine que vous êtes probablement un peu surpris par cet intérêt pour Lethière, par ce nom. Alors on dit Lethière, les Antilles, les gens disent Lethière, mais on dit Lethière comme Lethière provisionnel, hein, c'est bien de ça qu'il s'agit, Lethière, le troisième, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est si important. Il y a une autre manière de l'appeler aussi, c'est Guillaume Lethière. Parfois, lui-même s'appelait Lethière, c'est comme ça qu'il est désigné sur sa pierre tombale, c'est quand même important. Et d'autres fois, il signait lui-même Guillaume Lethière. Mais ce soir, il sera Lethière pour une raison simple, c'est que le fameux tableau dont on va parler, qui était peint dans le 6e arrondissement, c'est un peu le sujet, est signé justement Lethière. Guillaume Lethière, Guillaume Lethière. Vous voyez qu'il y a déjà une assonance, une consonance qui est étrange. Et ce n'est pas du tout un hasard si son prénom se rapproche un peu du nom de son père. Dans un premier temps, je vais vous parler
de la vie du peintre en général, qui est une existence un petit peu particulière, un petit peu extraordinaire. Mais je vous dis en préambule que si cette conférence a lieu ce soir, si aussi vous l'avez peut-être vu dans le journal du 6e, le tableau a été montré, c'est parce que il y a un coup de projecteur sur ce peintre que vous allez voir dans les semaines qui vont suivre, parce que Guillaume Lethière, ou Guillaume Lethière, comme vous voulez, va faire l'objet pour la première fois depuis sa mort d'une grande rétrospective. Cette rétrospective a déjà eu lieu dans un musée américain, loin d'ici, mais ce n'est pas tout à fait un hasard parce que le conservateur de ce musée est français et comme moi, il partage depuis longtemps cet engouement pour Lethière. Mais ce qui nous touche surtout, c'est qu'il va y avoir, à partir du 13 novembre, une grande rétrospective au musée du Louvre. Une grande rétrospective Lethière, et vous n'allez pas tarder à voir dans le métro et ailleurs des affiches qui, pour l'instant, sont intitulées Guillaume Lethière, en l'occurrence, né à la Guadeloupe. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus paradoxal et en même temps qui peut éveiller la curiosité, c'est que le tableau principal dont nous allons parler, le serment des ancêtres, celui qui a été offert en 1823, ce que Madame vous rappeliez tout à l'heure en présentation, pour le moment n'est pas là. Il n'est pas sorti d'Haïti, eu égard à la situation qui, vous le savez, est extrêmement compliquée, pour ne pas dire davantage, et on ne sait pas encore, au moment où je parle, on ne sait pas encore si le tableau pourra sortir, pour être à temps à l'inauguration le 13 novembre prochain de l'exposition au Louvre. Et pourtant, si ce tableau n'avait pas été peint et envoyé à Port-au-Prince il y a quelques 2 siècles, je ne suis pas sûr qu'on parlerait aujourd'hui de la même manière, en tout cas, de Guillaume Lethière, et je ne suis pas sûr non plus qu'il y aurait cette exposition. Donc c'est le tableau qui est curieux. Alors quelque chose qui est très important, très important d'emblée, c'est, parce qu'on a parlé de Guadeloupe, mais c'est l'apparence de Guillaume Lethière. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui, notamment qu'il avait été discriminé du fait de son apparence, qu'il était un homme de couleur, qu'il était un mulâtre, comme on dit quelquefois, donc le mot est un petit peu désuet. Eh bien, vous pouvez le voir. Voilà Guillaume Lethière au moment où il a peint son tableau. C'est intéressant parce que cette gravure qui est tirée d'un tableau de Boilly, cette gravure le montre très exactement au moment où il était en train de peindre le tableau, c'est-à-dire en 1822. Donc le voilà. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi je vois plutôt un homme qui a la fleur de l'âge, qui est encore jeune, qui est plutôt. Et on le confirmera par d'autres représentations que nous avons de lui, c'est un homme qui est blond aux yeux bleus. Alors après, les origines qu'il a, c'est toute autre chose, mais ce qui est très important de savoir, et vous verrez pourquoi, c'est que ses origines ne se voyaient pas. Lui, il était sensible, il les aurait jusqu'à un certain point revendiquées, mais on ne peut pas considérer que Guillaume Lethière soit un homme de couleur, comme il le disait. Tout au moins de par son phénotype. Alors, il naît à la Guadeloupe en 1760, donc c'est un homme du XVIIIe siècle, très clairement. 1760 à la Guadeloupe, c'est l'Ancien Régime, c'est l'esclavage, un siècle qui est prospère pour cela. Il n'est pas venu là pour battre notre coulpe, hein, c'est un fait historique. Guillaume. Lethière naît dans ces conditions-là et on précisera un peu plus tard exactement quel était son statut. Parce que si vous regardez Wikipédia, on dit qu'il est né d'une esclave qui était affranchie. Je parle sous votre contrôle, madame. Nous avons regardé de près le dossier de Guillaume Lethière aux Archives nationales. Il est très intéressant, il est assez complet. Et notamment la correspondance avec son père. Moi, je n'ai pas vu trace de l'acte d'affranchissement. Et tout me laisse penser que Guillaume Lethière
est né d'une femme qui était esclave non affranchie, bien au contraire, et tout va s'expliquer à partir de là, et que lui-même, en application du code qui a été élaboré et promulgué en 1685, qu'on appelle le code noir, qui régissait l'état des esclaves, lui est né esclave. Et il avait d'autant moins intérêt, si vous voulez, à être affranchi, que, il y aurait eu, en cas d'affranchissement, une trace. Affranchir un garçon, on a vu, vous avez bien compris, bon, le père, Guillaume, est un colon, il a une histoire avec une esclave. À l'époque, il est lui-même célibataire, il y a des enfants. Cette esclave devait être assez claire de peau, si on regarde le phénotype de Guillaume le Tiers. Et donc, à ce moment-là, se pose la question de son avenir. Si on l'affranchit, ça veut dire qu'il est né esclave. Ça laisse une trace. Et la plupart des personnages, ceux que vous avez cités, notamment le chevalier de Saint-Georges, qui est aussi une figure du 6e arrondissement, qui était pendant un temps au Saint-André des Arts, c'est pas pour lui mettre une plaque, ou le général Dumas, ils n'ont jamais été affranchis, ils sont dans la même situation un peu ambiguë qui va, à cette époque, sous Louis XVI, poser quelques problèmes. Alors, Guillaume va sûrement faire preuve très jeune de qualité pour le dessin. Il est doué, il doit dessiner à la Guadeloupe, on peut imaginer, donc les dessins attirent l'attention. Il y a peut-être un maître de dessin là-bas qui l'aide à développer ses facultés naturelles. Et à l'âge de 14 ans, bah, le père se dit que finalement, ce serait peut-être pas mal de repartir en France, comme beaucoup de planteurs de cette époque. Ayant gagné de l'argent, on a envie d'aller le dépenser. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression être un Américain. On désignait les colons de l'époque comme des Américains. Et l'expression est passée dans le langage. Américain, ce n'est pas quelqu'un des États-Unis, c'est quelqu'un. D'ailleurs, les États-Unis étaient français en partie à cette époque-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a fait fortune aux îles avec l'esclavage. Et on voit en 1774, on voit arriver le petit Guillaume, ou plutôt on ne le voit pas. Parce qu'il n'est pas signalé dans le passage de son père, mais on sait qu'il est arrivé à Bordeaux en 1774. Il est donc âgé de 14 ans avec son père, Pierre Guillon, pour étudier le dessin. Et c'est là que Pierre Guillon, qui est obligé de lui donner un état civil, l'appelle le Tiers. Le Tiers parce qu'il est le troisième enfant que Pierre Guillon a eu avec cette femme. Marie-Françoise, dite Pépaille, avec qui il a eu trois enfants. Le premier enfant est mort, la deuxième fille s'appelle Andrèse, elle va vivre, c'est la sœur aînée de Le Tiers, et puis il y a Guillaume, le troisième. Après, Pierre Guillon s'est marié parce que sa compagne était morte, peut-être en donnant le jour à Guillaume, ça on ne sait pas très bien. Il n'a pas de traces en état civil de sa disparition. Il va se marier et les deux enfants qu'il va avoir avec son épouse vont mourir. Donc, peut-être par superstition, considère que le climat des îles ne lui va pas et il part avec Guillaume. Et ils arrivent. Et qu'est-ce qu'il va faire de Guillaume? Je ne sais pas comment on fait passer à la. Je vous laisse faire. Voilà. C'est pas grave. On a quelques problèmes parce que j'ai quelques images à vous montrer. Ah, Voilà, on passe à la suivante. Ça, c'est le serment des ancêtres, c'est le fameux tableau dont on va parler et sur lequel on n'aura pas mal à dire. Mais je vais passer tout de suite quelques images suivantes donc, qui anticipent un peu sur la carrière de Le Tiers. C'est juste pour vous montrer qu'il n'a pas peint que ce tableau. C'est un peintre néoclassique et. Il est finalement obsédé par deux ou trois thèmes qui ne sont pas forcément éloignés du tableau qui nous occupe. Ça, c'est un tableau sur lequel il a travaillé pendant pas mal d'années. Travailler, ça veut dire qu'il reprend le même thème différemment. Il remet sur le métier son ouvrage, mais il fait plusieurs tableaux. Alors, ça, ici. C'est une version de La mort de Virginie qu'on a en grand format au Louvre. Et ça, c'est une version assez précoce. C'est une version assez précoce qui se trouve dans un musée à Los Angeles. Ce qui veut dire que Le Tiers, quelqu'un qui est reconnu et qui a
des tableaux un petit peu partout dans le monde et aussi des tableaux qui se vendent cher parce que vous vous en doutez, ces deux expositions, dans les ventes publiques, on va avoir certainement des lotières qui vont sortir des greniers ou des salons où se trouvent exposés. Donc on va avoir sûrement beaucoup de tableaux qui vont sortir. Alors la mort de Virginie, c'est pas complètement étranger aux origines de Lethière ni à notre sujet. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Virginie? Ça se passe dans l'Antiquité, mais c'est un homme qui s'appelle Virginius qui préfère tuer sa femme, on le voit, sa fille, pardon. On le voit là brandir le couteau, le glaive ensanglanté. Il l'a tué plutôt qu'elle ne soit mise en esclavage. Et le pauvre Virginie est par terre. Son père la tue pour qu'elle ne devienne pas esclave. Donc ce n'est pas complètement étranger au sujet. Autre tableau aussi assez violent, hein. Autre tableau assez violent, c'est Brutus condamnant ses fils à mort. Ce tableau, il a été conçu à Rome quand on verra Lethière est pensionnaire à l'Académie de France en 1788. Et ce qu'on peut dire, c'est que il annonce déjà, à travers cette décapitation, non pas malheureusement les événements contemporains, mais toute la période révolutionnaire en 1788, assez curieusement, quelque chose de prémonitoire. Alors, c'est l'histoire de Brutus. Le premier, puisqu'il y en a eu deux, le premier Brutus qui est un ardent républicain et qui va d'une manière très dure et pour dire atroce, qui ne va pas hésiter à faire sacrifier ces deux enfants qui, eux, sont royalistes. Et même si ce sont ses enfants, eh bien, on le voit, il a le poing serré, il est en haut avec ce manteau rouge, comme le sang. Il ne va pas hésiter un instant. Et à côté, il y a un personnage assez curieux, vous verrez, qui est juste à côté de lui, qui est jeune, qui lui n'est pas sacrifié. Il a un bonnet d'esclave libéré, un bonnet phrygien. Et il tient à la main quelque chose d'assez curieux, comme un document. Est-ce que c'est son acte d'affranchissement? Est-ce qu'il y a un message qui a été donné par le tiers? Peut-être. Dans le film, j'ai fait parler une psychanalyste parce que je n'arrivais pas à trouver la clé de cette histoire qui est finalement assez complexe. Et elle, c'est une sommité de la psychanalyse, et finalement, il y a une espèce de bouleversement de la colère, si j'ose dire. Et la colère peut-être du fils est sublimée. Et en fait, c'est la colère du père qui va nous être montrée, mais c'est peut-être de la colère du fils qu'il s'agit, puisque le fils ne pouvait peut-être pas exprimer tout, sinon la colère, du moins le ressentiment qu'il avait vis-à-vis de son père. Pourquoi? Parce que à un moment, il a dû s'apercevoir, et ça a dû être assez douloureux, que sa maman n'était pas l'épouse de son papa, mais son esclave. Il s'est aperçu aussi assez vite qu'il n'avait pas d'état civil. Et il a été reconnu, ce qui était considéré comme, non pas comme fils adultérin, on y reviendra parce qu'il y a un mauvais procès qui lui a été fait à cause de ça, mais bon, il n'est pas reconnu avant l'âge quand même de 39 ans. C'est seulement en 1799 qu'il va pouvoir être reconnu par son père et s'appeler officiellement Guillaume. Je continue, j'espère que je ne vais pas me tromper. Autre thème intéressant, c'est Philoctète. Obsédant. Alors, quand je dis que c'est un thème récurrent, ça veut dire que Lethière a peint plusieurs versions de ses tableaux. Les trois que je vous montre, je vous les montre parce qu'ils sont au Louvre en grand format, dans la salle des David, pas très loin de la Joconde, mais bon, un peu en hauteur. J'espère qu'après l'exposition, on pourra un peu les dessiner. Philoctète, c'est intéressant parce que y a un écrivain célèbre qui s'appelle Alexandre Dumas. Nous verrons qu'il connaissait bien Lethière, qui en parle et qui dit mon père a servi de modèle pour Philoctète. Alors bon, c'est une affirmation qui est à prendre d'une manière prudente. Le général Dumas, tel qu'on le connaît, et que
matière d'ailleurs à présenter, n'avait pas exactement cette apparence. Là, c'est un homme qui est blanc, qui est représenté. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il a un problème au pied, comme vous voyez. Dans l'histoire de Philoctète, dans la légende, c'est un homme qui a les flèches d'Achille et qui, malencontreusement, se fait tomber quelque chose sur le pied, puis ça s'infecte et ça ne guérit pas. Ça dégage une puanteur tellement infernale que les Grecs qui assiègent Troie ne peuvent plus le supporter, ils le déposent dans l'île de Lemnos et ils l'abandonnent. Mais le problème, c'est que on a besoin des flèches d'Achille, des flèches d'Hercule, pardon, pour gagner, et on va être obligé de faire revenir, pour obligé de faire revenir le pauvre Philoctète qui a été abandonné, qui survit comme il peut en traînant la jambe, comme vous voyez. On aura besoin de lui pour gagner. Et c'est un peu l'histoire du général Dumas, qui est abandonné par Bonaparte, le père d'Alexandre Dumas, et dont on aurait peut-être eu besoin, s'il n'était pas mort un peu après, pour gagner d'autres batailles que celle d'Austerlitz. Il est mort de chagrin parce qu'il n'avait pas pu y participer. Décembre 1805, et lui, il meurt en 1806. Voilà le professeur de dessin de Lethière. Là, on voit qu'on est au XVIIIe siècle. Il a ouvert une école à Rouen, qui est une école gratuite pour apprendre le dessin. Et à Rouen, bah, on dessine, mais pas seulement pour devenir artiste, tout simplement pour pouvoir reproduire le réel. Et on se sert du dessin dans l'industrie, on s'en sert pour l'architecture. C'est un apprentissage de base à l'époque pour pouvoir faire d'autres choses. Et c'est seulement tout au sommet de la pyramide que certains, les plus doués, vont pouvoir réaliser leurs rêves. Alors aujourd'hui, tout le monde a envie d'être réalisateur de cinéma, d'aller à Hollywood. À l'époque, le rêve, pour les gens qui sont artistes, qui ont un talent pour le dessin, c'est de devenir peintre d'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un peintre d'histoire? C'est quelqu'un qui est au sommet de la hiérarchie de l'art et qui est capable, à partir de rien, simplement à partir de son imagination, de traduire des situations qui n'existent pas. Situations inspirées par la mythologie ou inspirées par des faits historiques. Et comme Lethière est extrêmement doué, eh bien, il va très vite pouvoir prétendre à cette carrière dont il rêve, qui est la carrière du peintre d'histoire. C'est-à-dire qu'il se distingue par son talent pour le dessin, parmi d'autres qui sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'étudiants dans cette école gratuite de Rouen, où le père l'a mis, le père a beaucoup de moyens, mais il le laisse quelque temps mariner pour voir si vraiment son talent va être confirmé. Vous voyez? La date, 1776, il a 16 ans. Et ce dessin qui est conservé à Rouen, je crois à la bibliothèque de Rouen, montre comment il dessinait à cette époque-là, c'est pas mal. Il est arrivé au troisième degré des élèves en dessin. Premier degré, on dessine d'après des gravures, deux dimensions. Deuxième degré, on travaille sur ce qu'on appelle la bosse, c'est-à-dire qu'on travaille en trois dimensions. Des objets ou des plâtres. Et puis, au troisième niveau, enfin, on peut travailler sur le modèle vivant. Et voilà ce qu'il fait à l'âge de 16 ans. Il y a quelque chose qui était écrit en bas, complètement à droite. Il y a écrit Guillaume Lethière de la Guadeloupe, prix extraordinaire de dessin 1776. Alors là, on saute quelques années. Et malheureusement, le détail de la photographie et les conditions de la projection ne permettront pas de montrer ce que j'aimerais vous montrer, mais qu'on voit très bien sur le plan. Ce tableau, c'est la Cananéenne au pied de Jésus-Christ. Alors, on est très loin, me direz-vous, d'Haïti et de tout ce que j'ai pu évoquer. On a une scène du Nouveau Testament qui est assez connue. La Cananéenne est une étrangère. Alors, il faut quand même se souvenir que pour justifier l'esclavage, d'aucuns invoquaient
la malédiction de Canaan. Malédiction de Canaan qui justifierait au XVIIe siècle, pour certains commentateurs, l'esclavage. Canaan serait l'ancêtre des Africains et donc du fait qu'il y avait un problème qui est lié, comme vous savez, à Noé avec ses grands-pères, Canaan avec ses fils. Donc voilà. Alors il y a un petit clin d'œil. Mais ce qui est surtout plus intéressant, c'est que la Cananéenne que vous voyez, finalement s'incline devant Jésus, mais Jésus adresse une bénédiction, non pas à elle, mais à deux personnages qui sont à côté de sa main, qui sont un peu obscurs, on ne voit pas vraiment, et dans lesquels je vois, parce que tout est dans les détails, pas seulement le diable, hein, selon les explications d'un tableau, je vois dans ces deux personnages que vous pourrez admirer au Louvre, penserez à moi. Je vois une petite allusion, il distingue à peine, je vois une petite allusion au, justement certainement à ces esclaves auxquels, forcément, même s'il n'en a pas l'apparence, Guillaume le Tiers doit un peu s'identifier. Et puis, bon, il y a d'autres choses dans le tableau qui sont un peu plus détaillées, mais qui aujourd'hui seraient presque un peu scandaleuses. Je pense qu'il ne vous échappe pas que dans le fond du tableau, il y a une pyramide, un triangle assez. Voilà, donc Guillaume le Tiers était franc-maçon, son père l'était aussi. 18e siècle, la franc-maçonnerie, ce n'est pas un engagement qui consiste, si encore aujourd'hui, beaucoup qui consiste à s'opposer à l'Église. Non, non, il est probablement croyant, mais il est, voilà, il est des symboles comme ça, comme David d'ailleurs. Dans son fameux tableau, le serment des Horaces, hein, qui est un tableau maçonnique. Là aussi, bon, vous avez trois arches, vous avez une voûte, vous avez une pyramide, enfin, il y a plein de choses qui évoquent la franc-maçonnerie. On y reviendra donc pour d'autres tableaux, et peu importe que Jésus soit. Alors, grâce à ce tableau, vous avez vu tout à l'heure, quatrième. Deuxième prix de Rome en 1784, le Tiers, en étant soutenu quand même par un très haut personnage qui va devenir ministre et qui n'est pas encore, qui s'appelle le comte de Montmorin, qui, chose assez curieuse, était installé dans un hôtel particulier qui ensuite est devenu le ministère des colonies et qui aujourd'hui existe toujours et qui est le ministère des Outre-mer, où j'ai eu un bureau il y a quelques années. Le comte de Montmorin va réussir, et l'entregent du père, Pierre Guillon, va jouer, parce que c'est un personnage très puissant. Il va arriver, non pas à la Villa Médicis, parce qu'à l'époque, on n'y est pas encore installé, mais il va arriver au Palais Mancini en tant que lauréat du prix de Rome. Donc, il n'a que le deuxième prix, la Cananéenne au pied de Jésus-Christ. Mais bon, il part en 1786, et son arrivée et son voyage sont extrêmement détaillés parce que nous avons, ils partent à quatre, et nous avons un récit assez extraordinaire du voyage détaillé qui se trouve à l'Institut de France. C'est un de ses amis, camarade à l'époque, qui est l'architecte Percier, qui est bien connu, et Percier qui se trouve à Paris, lui aussi franc-maçon, ils sont très liés avec le Thiers. Il raconte le détail du voyage, l'arrivée à Rome, ils partent. Descendent le Rhône, enfin tout est détaillé, ils arrivent en novembre 1786. Ça va durer 5 ans, ce passage à Rome, et au bout de ces 5 années, il va revenir, mais début 1792, fin 1791, il arrive en pleine Révolution, et là c'est intéressant. C'est intéressant parce que où est-ce qu'il s'installe? Eh bien, il s'installe dans le 6e arrondissement. Il s'installe dans le 6e arrondissement, dans une rue qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait la rue Childebert. Il s'installe très exactement au numéro 9 de la rue Childebert. Et si vous voulez la situer, cette rue Childebert, elle était place Saint-Germain-des-Prés, empiétant un peu sur le boulevard Saint-Germain. Elle n'existe plus. Elle a été détruite. Mais nous avons fort heureusement
un autre Guadeloupéen qui s'appelle Privat d'Anglemont. Et Privat d'Anglemont, en 1854, publie un recueil d'articles, lui aussi habitait le 6e. C'est Rue Privat d'Anglemont, qui est beaucoup plus jeune, va nous parler de la rue Childebert et il va nous, plus précisément nous parler du numéro 9, où il y avait un immeuble assez particulier qui abritait énormément d'artistes. Et cet immeuble était tellement particulier qu'à lui seul, il portait le nom de la rue. On l'appelait la Childebert. Voici ce que nous dit Alexandre Privat d'Anglemont dans son ouvrage de 1854. Grâce à sa proximité de l'Institut, de l'École des Beaux-Arts, du Musée du Louvre et de celui du Luxembourg, grâce surtout à la modicité du prix de ses loyers, dès le temps de David, alors que l'illustre conventionnel régnait en despote sur les arts, la Childebert était devenue le quartier général des novateurs. Les élèves de Lothière, notamment, s'y étaient réfugiés et y formaient déjà une colonie révolutionnaire. Et l'art d'alors était divisé en deux camps, l'école de David et celle de Lothière. Lothière était mulâtre de la Guadeloupe. Il était fort mauvaise tête, très brave, très peu enduré. Après une querelle qu'il eut au café militaire de la rue Saint-Honoré, dans laquelle il eut le malheur de tuer et de blesser très grièvement plusieurs officiers, il dut quitter Paris et, grâce à la protection du prince Lucien Bonaparte, il fut nommé directeur de l'école de peinture. Son atelier, où il se faisait autant d'assauts d'armes que de peinture, fut fermé et ses élèves furent envoyés par ordre dans tous les autres ateliers. Perdant l'atelier de Lethière, les habitants de la Childebert perdirent les plus spirituels et les plus turbulents de leurs alliés. Donc, non seulement Lethière était une figure, alors Privat d'Anglemont n'a pas vu, il est né en 1815, donc il n'a pas pu voir la Childebert de l'époque révolutionnaire. Mais apparemment, ça avait laissé quelques traces, quelques souvenirs. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce texte. Première chose, la rixe. Apparemment, effectivement, Lethière, qui était découplé, hein, qui n'était pas un garçon fluet, Lethière avait quelques talents d'escrime. D'escrimeur. Ça nous renvoie aussi à un autre escrimeur, le chevalier Saint-Georges. Est-ce qu'il se connaissait? Est-ce qu'il ne se connaissait pas? Moi, j'ai mon opinion parce que dans les mémoires du compositeur Grétry, les mémoires du compositeur Grétry, Grétry dit à propos du chevalier Saint-Georges: un jour, je passais dans la rue Thévenot et j'entendis jouer du Saint-Georges à grand orchestre dans un salon dont les fenêtres était ouverte. Et Grétry dit, c'était une symphonie concertante et il y avait un air qui était tellement plaisant que je me suis assis sur une borne et je ne me lassais pas de l'entendre. C'est un beau compliment d'un musicien par rapport à un autre musicien qu'on redécouvre un peu aujourd'hui, qui est aussi une figure du 6e arrondissement. Mais ce qui est troublant, c'est que rue Thévenot, aujourd'hui rue Réaumur, c'est là que vivait à l'époque Pierre Guillon, le colon de la Guadeloupe, et son fils, qui à ce moment-là est étudiant l'École royale des beaux-arts. Il a progressé depuis Rouen et il est entré dans l'atelier d'un peintre tout à fait prestigieux qui va lui permettre justement d'obtenir ce prix de rang qu'on a vu tout à l'heure. Alors ça, c'est un tableau. C'est un tableau qui est tout à fait connu parce que dans les livres d'histoire, quand on parle de la Révolution et des soldats de l'an 2, c'est ce qu'on montre. Alors, il y a plusieurs choses qui sont curieuses dans ce tableau, mais qu'on ne voit pas très bien à cause peut-être de la reproduction et puis du fait que la peinture est assez petite, mais quand
quand on voit le tableau au musée de la Révolution et quand on le voit aussi dans une exposition comme celle du Louvre, on peut constater que le centre, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais le centre, ce sont deux personnages. Et c'est assez curieux parce que ces deux personnages du centre n'ont jamais été remarqués par les commentateurs. Et pourtant, c'est dans la plupart des livres d'histoire. Si on arrive à... Je ne sais pas si je peux les montrer, si j'ai un moyen. Voilà. Ils sont là, ces deux personnages. Mon Dieu. Désolé, je suis gaucher. Ils sont là. Ces deux personnages, ils sont... Non, ils sont pas là. C'est à côté. Ils sont là. Ces deux personnages font le même geste et ils se font face à face comme en miroir. En fait, c'est le même. Il y a un personnage dont on peut voir qu'il a la peau un peu plus brune que l'autre. Et ils font le même geste qui est de désigner un bateau. Il n'y a pas de bateau dans l'histoire de la Révolution française. Vous voyez? Et en fait, ces deux personnages, le blond et puis mat, le métissé, ben c'est le même, c'est le même personnage en miroir. C'est comme ça, le blond, c'est l'apparence de Lethiène, et l'autre, c'est comme il se voit. Donc vous voyez, dès cette époque, 1799, Lethiène est déjà très sensible. Et comment n'aurait-il pas été? C'est l'année en plus où il est reconnu par son père, il est déjà très sensible à ces sujets. Voilà un autoportrait de Thiers. On a vu le portrait de Boigny. J'ai eu le plaisir, j'espère qu'il sera au Louvre, j'ai eu le plaisir au musée de Quimper, on demandait pour le film ce qu'ils avaient, donc en vrac, ils nous ont livré des images, de découvrir ça. Donc le Thiers par lui-même, il n'y a pas beaucoup de doute. Voilà, il se voit comme ça. Là, je ne sais pas trop quel âge il a. Il a les cheveux un petit peu en bataille, il a l'air un peu mélancolique. Et c'est le seul portrait qu'on ait de lui par lui-même. Le voilà notre Lethière, avec Karl Werner à cette époque, en 1798. Bon, vous confirmerez ce que je disais tout à l'heure, il est frisé, mais il est blond, avec des yeux bleus, il est grand. Donc là, on voit bien le gaillard qui est capable de se défendre ou d'attaquer, je ne sais pas, dans une rixe avec des officiers. Ça, c'est son protecteur. Son protecteur qui s'entendait pas du tout avec le frère, qui était un peu l'équivalent aujourd'hui dans le scandale, pour les mêmes raisons du prince Harry. Il est loin. Il a eu le malheur, après avoir beaucoup aidé son frère pour prendre le pouvoir, il a plus qu'aidé, hein, enfin, sans Lucien, c'était pas gagné au moment du sud Brumaire. Mais Lucien a eu une histoire d'amour. Il a rencontré une femme et voilà, elle est veuve et ça ne plaît pas au frère. Et Lucien tient tête et ils ont un moment une explication qui est assez violente. Et Lucien aurait dit à propos de son d'Alexandrine de Bléchamp, donc son amoureuse. Oui, c'est une veuve, mais la mienne n'est ni vieille ni puante. C'était une allusion à qui vous savez. Ça n'a pas du tout plu au nouveau maître de la nation. Donc, il a dit à Lucien d'aller se faire oublier. Et puis, il y a une histoire qui arrive à la fin de l'année 1801, où il y a des libelles, des pamphlets qui circulent, pas très agréables pour le premier consul, avec un limier qui va enquêter, et on s'aperçoit que c'est un ministre qui diffuse ces libelles et que le ministre n'est autre que le frère du premier consul. Donc le premier consul l'apprend, il n'est pas très content et il envoie Lucien se faire oublier. Alors il a une ambassade à Madrid et comme
Le tiers a peut-être aussi au même moment envie de se faire oublier. Donc, Lucien, qui est un ami intime, hein, véritablement intime, ils sont très amis. Ce n'est pas simplement un compagnon, ils sont liés. Lucien emmène avec lui le tiers à l'ambassade officiellement pour se constituer une collection. Ils voyageront encore en Allemagne. Et puis, à la demande de Lucien, qui est dans une situation un petit peu compliquée, parce que bon, il est brouillé avec son frère, donc il ne peut rien demander à son frère. Il est en exil, hein, en Italie, et il n'a plus droit à rien, il est sur la touche. Mais il y a les femmes. Il y a les femmes. Et nous avons, grâce à une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui est décédée, qui m'avait contacté il y a plus de 20 ans, et qui a fait connaître le tiers. Sinon, au grand public, en tout cas au monde universitaire, on a une lettre qui était dans une collection privée, qui date du jour même du décès du directeur de l'école française de Rome, Villa Médicis, parce qu'elle est passée du palais Mangini à la Villa Médicis, et il lui écrit le jour même: Suivez vient de mourir, je vous écris une lettre que vous allez transmettre à la reine de Naples. Et mon cher ami, ce sera une occasion de nous voir. Vous me manquez, etc. Donc, il est très, 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 il est très ami de Lethière, et ça va marcher. Les dames vont se mettre en la mère de Napoléon, Pauline et Caroline. Caroline également vont peser autant qu'elles le peuvent pour que le tiers soit nommé. Il va être nommé par Napoléon, un peu oublieux de ce qui s'est passé, peut-être, au café militaire. Mais enfin, il est vrai qu'entre-temps, en 1805, le tiers qui s'est fait oublier a fait un tableau montrant le premier consul, qui n'est pas encore premier consul, en 1797. Matant les Autrichiens, en tout cas les conduisant à la table de négociation, les préliminaires de paix de Léoben. Là, Bonaparte trouve qu'il est assez mis en valeur, donc ça passe, et le tableau est exposé, et ça plaît parce que il y a une tapisserie qui est commandée pour reproduire ce tableau, donc c'est un vrai succès. Alors ça, c'est pendant le séjour de Lethière à la Villa Médicis, où Lethière va peindre la villa. On est vers 1810, c'est lui le directeur. Voilà notre Lethière, représenté un peu plus vieux, un peu bedonnant, toujours portant beau. Et cette fois-ci, 1824, on est avec le roi. Et vous voyez qu'il porte du vert, il est entré à l'Institut. Il a été élu par les académiciens à l'Académie des Beaux-Arts en 1818, après avoir été déjà élu en 1816. Mais en 1816, le roi qui n'était pas celui-là, qui n'était pas Charles X, mais qui était, excusez-moi, qui était Louis XVIII, n'a pas voulu ratifier. Qu'à Saint-Étienne, les académiciens, 2 ans après, vont le réélire, et Cahun Cahama, après avoir perdu son poste à Rome, le tiers est réintégré dans, on appelait ça l'establishment des beaux-arts. Il va entrer à l'Académie, il est membre de l'Institut. Il avait déjà un logement au Louvre dès la période révolutionnaire. Il le conserve, et ce qui nous intéresse, c'est que son logement de fonction, duquel il mourra plus tard, ben c'est le 3 de la rue Mazarine. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est qu'il obtient le droit d'avoir un petit atelier, mais ce n'est pas assez grand, et il va s'installer pour avoir des élèves qui puissent travailler avec lui. Il va s'installer au numéro 11 de la rue de l'Abbaye. Ça, c'est la plaque tombale, l'inscription sur la tombe de Lethière, qui est au cimetière de Montmartre, que j'ai
retrouvée. Alors, on n'avait pas, elle n'était pas perdue, la tombe de Lethière, mais enfin, elle est pas signalée, donc il faut chercher un peu. Et ça, c'est le tableau qui nous intéresse. Alors, ce tableau, il est assez particulier. Il est assez particulier parce que il est peint en septembre 1822 et il est, selon le propos de l'abbé Grégoire, on verra dans quel contexte, il est génial. Alors il est génial pourquoi? D'abord parce que il a le talent de représenter deux personnages qui parlent aux Haïtiens. À gauche, le général Alexandre Pétion, et à droite, le général Jean-Jacques Dessalines. Et aujourd'hui, 17 octobre, nous sommes au jour d'un anniversaire parce qu'il a été tué le 17 octobre. Il a été tué le 17 octobre 1806. Il a été tué dans le cadre d'un complot. Et qui y avait-il dans ce complot? Il y avait Pétion. Donc, en 1822, Lethière réussit le tour de force d'envoyer aux Haïtiens un tableau. On voit deux personnes donc, que ne devait pas forcément, qui sont pas toujours aimées. Mais là, on les voit enlacées, et on les voit enlacées, qui plus est, et c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde, sous la bénédiction d'un personnage céleste dans lequel, assez spontanément, beaucoup de gens voient Dieu le Père. Ça ne plaît pas à tout le monde, d'ailleurs. Mais cette bénédiction, et je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Thomas, qui est un éminent historien, et en particulier historien de la franc-maçonnerie, cette bénédiction n'est peut-être qu'un partage, je cite Jean-Pierre Thomas, partage de responsabilité. Et puis, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ce n'est pas un vieillard comme le Dieu de Michel-Ange. Hein. C'est quelqu'un qui a, on voit pas bien, mais qui a un visage relativement jeune. Ça pourrait être aussi Jésus. C'est une espèce de synthèse entre Dieu et Jésus. Et puis, il faut savoir que les catholiques représentent plus volontiers Jésus que Dieu. C'est assez rare qu'on présente Dieu seul comme ça, sans être entouré par des anges. Donc, c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être, même si quelqu'un me l'avait fait remarquer, mais merci, je lis bien l'hébreu, Yud He Vav He, bon, il y a l'inscription dans le triangle, c'est bien le tétragramme, c'est bien le nom imprononçable qui est là, mais ça peut aussi parler aux francs-maçons. On sait que Lethière est franc-maçon, son père l'était aussi. Et puis, si on prolonge les bras de ce personnage qui était Dieu, qui n'était pas Dieu, si on prolonge aussi, alors on prolonge vers le bas les deux bras, si on prolonge aussi le geste que font ces deux éminents personnages de l'histoire d'Haïti, ben on aboutit finalement en haut à un compas et en bas à une équerre. Pour essayer, non pas sur l'original parce qu'il n'est pas là, et puis bon, ce serait quand même du vandalisme, mais peut-être sur une image, vous verrez. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes sur ce tableau aussi, c'est que, bon, ça vous l'avez bien compris, les deux personnages foulent aux pieds les chaînes de l'esclavage, les chaînes normales, et puis bon, les chaînes aussi. Il y a un collier qui est un petit peu bizarre. Je m'explique à quoi ça servait. Ce collier avec des pointes, ça servait aux esclaves qui voulaient se sauver de ne pas se sauver facilement et d'être pris dans les frondaisons avec ces pointes qui. Donc ça évoque aussi la résistance des esclaves. Ça veut dire que même avant qu'on leur ait ôté leur fer, ils sont rétifs. Et puis il y a d'autres choses qui sont importantes dans tout ça. Ce bateau que vous ne voyez pas, mais que vous verriez si le tableau était un petit peu plus visible, il y a un tableau, il y a un bateau qui se trouve sur la mer. Bon, il n'y a pas des Français, hein, Lethière fait partie de l'establishment. Ils ne montrent pas vraiment que c'est un bateau français.
revanche, montre sur gauche, montre le drapeau haïtien. Et puis, il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a intrigué il n'y a pas très longtemps. C'est ça. J'espère que je vais le trouver rapidement. C'est une. Pardon. Voilà, c'est ça. C'est cette stèle funéraire qui est sur le tableau, arrondie. Ça, c'est la stèle que Lethière a fait installer pour son père. Elle est au cimetière Montmartre. Il est indiqué qu'elle a été offerte par le fils, qui est le directeur de l'Académie de France à Rome. Et elle a la même forme, pardon de revenir vite en arrière, elle a la même forme que cette stèle qui est dans le sol, sur laquelle il y a des inscriptions qui sont liées à la constitution d'Haïti, la première constitution d'Haïti qui est de 1805. Des inscriptions qui ne sont pas vraiment lisibles, mais l'une qui dit, pardon, je cite de mémoire, au premier coup de canon d'alarme, les villes n'existent plus et le peuple est aux armes. Ça, c'est un avertissement parce qu'on est en 1822. Qu'est-ce qui se passe en 1822? Début du mois, début de l'année, pardon, le président d'Haïti, qui n'est plus ces deux-là, qui est Jean-Pierre Boyer, il a envahi la partie espagnole d'Hispaniola, de l'île, partie française, gauche, et une partie espagnole, à droite, depuis 1697. Et là, début de l'année 1822, l'île est réunifiée. Et dans cette île, il y avait encore quelques réfractaires à l'abolition de l'esclavage français qui espéraient une revanche et qui voit Haïti prendre de l'importance et qui voit aussi que l'esclavage va être aboli. Et il l'est de fait le 9 février 1822. Et puis, ça, c'est un épisode qui est beaucoup moins connu. Les Français envoient une escadre depuis la Martinique. Il y a toujours une escadre française à la Martinique, et c'est encore le cas aujourd'hui. La marine française est là-bas. Ils envoient une escadre pour essayer de redébarquer. Et il y a combat. Il y a une tentative de reconquête d'Haïti, et l'armée haïtienne au Cap Samana va repousser l'escadre française. C'est une victoire. Et il y aura des conséquences. Parce que le roi Charles X, c'est pas le roi lui-même, c'est son premier ministre, Villèle. Villèle, pas si vous savez, mais Villèle, c'est un colon de l'île Bourbon, c'est un colon de ce qui est aujourd'hui la Réunion. Villèle, il est très, très, très sensible aux intérêts des esclavagistes. C'est Villèle, et puis aussi le ministre de la Marine, Clermont-Tonnerre, ils vont réagir. Et il y aura en Martinique, alors c'est pas une allusion aux événements d'aujourd'hui, mais il y aura une soulèvement d'esclaves, peut-être lié à Haïti, et il y aura à peu près au moment où le tableau est peint, il y a une répression qui est terrible, que vous compreniez bien de quoi on parle. La France, dans ses colonies, est toujours esclavagiste, même si la traite depuis 1818 est abolie, il y a toujours l'esclavage. Et il y a 39 exécutions. J'ai moi-même, c'était trop, je crois, dans un livre, cité le témoignage de l'officier de marine qui était chargé de la répression en cas de problème. Et il surveille, il a braqué les canons de ses vaisseaux sur le rivage de l'exécution. Et il est quand même assez choqué. Bon, on exécute les gens par pendaison. Il y en a 39, 39 qui montent à l'échafaud. Qu'à conscience en 1822, pour les cas les plus graves, ceux qui avaient porté la main sur leur maître, c'est l'imputation. C'est assez violent quand même. On a une époque où on leur coupe la main avant de les pendre. Donc on est dans ce contexte. Est-ce que vous imaginez, 1822, dans une France esclavagiste, un dignitaire, membre de l'Institut, membre de la Légion d'honneur, professeur aux Beaux-Arts, qui peint ça? Alors que Haïti s'est formé en 1804 sur les cendres de la colonie la plus prospère, la perle des Antilles, et que ça a laissé une trace tellement violente
dans l'imaginaire collectif et surtout dans l'esprit de tous les colons qui ont été dépossédés de leurs esclaves, qui ont tout perdu. Est-ce que vous imaginez que dans un atelier du 6e arrondissement, dont nous connaissons l'adresse, il y a un monsieur qui s'appelle Lethière qui est en train de peindre ça et qui va offrir ça aux Haïtiens? Alors que dans l'esprit du ministre de la Marine, on va reconquérir cette île et on va les punir. On va rétablir l'esclavage, on va. C'est incroyable comme histoire. Alors, est-ce qu'il le fait clandestinement? Je pense que oui, semi-clandestinement. Alors, il y a cette histoire de Dieu, il y a ces deux personnages, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et on verra que les policiers qui sont chargés de la surveillance ne sont pas forcément sensibles à tout ça. Alors, je parle sous le contrôle de mes voisins, de mon épouse aussi qui est là, qui a bien voulu venir. Je n'ai pas toujours le sens du temps. Vous n'hésitez pas à me tirer par la manche avant qu'on soit expulsé manu militari, parce qu'on va être trop de temps. Voilà, monsieur Pétion, celui de gauche. Voilà, monsieur Pétion. Alors, je parle sous contrôle de Jean-Pierre Thomas. Il me semble bien qu'il est en tenue maçonnique, avec une épée, avec un cordon, tout ça. Avec une déesse qui semble dire quelque chose aussi qui est un peu dans cet esprit. Voici Dessalines, l'autre, le frère ennemi. Alors, vous remarquerez dans cette histoire que, en le serment très bien, mais il y en a quand même un qui prête serment de la main gauche. Vraiment, prête serment déganté de la main droite. Ben, c'est Dessalines. C'est un petit clin d'œil, peut-être, de la part de Lethière. Quand on prête serment de la main gauche, en général, ça ne finit pas bien. Au XIe siècle, la tapisserie de Bayeux, je pense que ça vous dit quelque chose, elle représente le comte Harold, qui prête serment de la main gauche sur la Bible. Ça va mal se finir à Hastings. En 1066, Harold, il est tué. C'est peut-être une allusion aussi, sort qui sera réservé à Dessalines. Et Dessalines, bon, il n'a pas fait que des choses bien. Quand il prend le pouvoir, il s'est proclamé empereur, pourquoi pas lui aussi. Mais bon, il massacre tous les Français, hommes, femmes, enfants, vieillards. Il se trouve encore dans la colonie qui ne sont pas sauvés. C'est probablement parce qu'il a fait de mieux, mais bon, voilà. Et puis aussi, il rétablit le travail forcé, puis il se proclame empereur, Jacques Ier. Et ça peut-être ne s'appelait pas complètement à Lethière. Et ça ne plaît pas non plus au président d'Haïti en 1829, qui s'appelle Jean-Pierre Boyer, et qui est plus du côté de Pétion que du côté de Dessalines. Alors, quand on entend parler d'Haïti, je lis la presse en ce moment, on dit, bon, Haïti, sont des sauvages, regardez, si la Martinique est indépendante, ça va devenir comme Haïti. Regardez Haïti en 1818. Ce n'est pas exactement ce qu'on croit. Ça pourrait être la scène de 1818. Bon, elle pourrait se passer tout aussi bien, sauf que c'est sous les tropiques, mais elle pourrait se passer tout aussi bien en Italie. Vous voyez, ils sont très organisés, les Haïtiens. Et pourquoi ils sont organisés? Parce qu'ils ont pris le contrôle de la colonie, et comme c'était la perle des Antilles, comme je vous ai dit, bah, le café, maintenant, c'est pour eux. Et ils sont assez prospères. Et le monsieur en rouge, là, qui prête serment, alors vous remarquerez qu'il prête, lui, bien serment de la main droite, c'est le président Jean-Pierre Boyer, qui va être l'homme d'Haïti qui a gardé le pouvoir le plus longtemps, puisqu'il va garder le pouvoir de 1818 jusqu'à 1843. Je crois qu'il a battu tous les records. Vous voyez le drapeau d'Haïti, vous voyez les troupes à cheval, bon, ils sont. Voilà, alors bon, évidemment, ce sont des privilégiés, mais on peut se rendre compte à travers ce tableau qui a été peint donc, probablement en 1818, que la situation d'Haïti est assez prospère et que ça peut faire peur à l'époque à un gouvernement français qui a encore des colonies pas loin, donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. À une certaine époque, on parlait de la main de Moscou, et là, c'est la main d'Haïti, qui, d'autant que
D'autant que Haïti a prêté main forte un personnage qui n'est pas complètement anodin, qui est Bolivar. Bolivar est armé, aidé par les Haïtiens, par le président Boyer, le président Pétion, pour aller libérer du joug espagnol toute l'Amérique latine. Et ça a déjà commencé en 1823 au Chili. Le Chili devient autonome et l'esclavage est aboli. Et voilà le président Boyer. Ah, voilà un personnage très intéressant qui est l'abbé Grégoire. Et j'ai eu le plaisir, en fouillant dans les archives, à la bibliothèque de l'Arsenal, de découvrir quelque chose qui n'est pas banal. Vous voyez, l'abbé Grégoire écrivait beaucoup, il avait toute une correspondance qui est très intéressante et il gardait des doutes de ses lettres. Et je me suis aperçu que l'abbé Grégoire entretenait une correspondance bien évidemment secrète avec Boyer. Alors quel intérêt pour Grégoire? Bah, c'est que Boyer, pour tous les gens qui luttaient, on est en 1822 pour l'abolition de l'esclavage, dont lui. Vous voyez, c'est quelqu'un de puissant. Voilà, aujourd'hui, l'atelier de Lothicaire. Les numéros de rue n'ont pas changé. Vous remarquez au rez-de-chaussée une porte qui est assez haute, qui permet parfaitement de laisser passer un tableau de 4 mètres de haut. C'est là que Lothicaire a peint, septembre 1822, le fameux tableau. Et, une chance, nous avons au musée Carnavalet, nous avons ce dessin qui a été fait par un élève qui s'appelle Chabriac. Chabriac, non seulement a montré l'intérieur de l'atelier, mais il a mis le nom de tous les élèves. Alors lui, évidemment, il est. Non, il est pas, c'est pas lui qui est. Il est le troisième en partant. Il est un peu appuyé. Il regarde dans un miroir. Et c'est le petit blond qui est appuyé, qui dessine pas. Mais on a le nom de tous les autres. Et derrière, vous avez le maître, un peu au-dessus de lui, qui est en train de corriger le nu d'un élève, s'appelle Lecoq, qui est à côté, qui n'est pas le maire du 6e arrondissement, mais qui est un élève de Lothian. Et qui est un peu dépité, vous le voyez, il a sa palette. Et puis il y a le nom de tout le monde. Et vous pouvez être sûr que la plupart de ces élèves ont collaboré au tableau. C'est une œuvre collective parce que le tableau fait 12 mètres carrés. On ne peut pas en un mois, tout seul, peindre 12 mètres carrés. Voilà une autre vue, toujours par Chabriac, de l'atelier. Le tiers est un petit peu plus vieux. Et on dit que le garçon qui tient le bâton, qui sert probablement pour des proportions, c'est Gibert. Lui aussi viendrait de la Guadeloupe. Je n'en suis pas sûr de ce qu'on voit de dos, mais enfin, bon, on a dit que c'était Gibert. Et on voit ce vieux monsieur qui l'a encore, qui corrige. Alors pourquoi je montre Doyen à ce moment-là? C'est parce que Lethière a été formé à l'ancienne. Quand on imagine aujourd'hui un peintre, on voit quelqu'un qui est tourmenté dans son atelier, qui fait, voilà, qui peint, mais qui est seul, etc. Au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout ça. C'est collectif. Et Doyen avait autour de lui des élèves, Lethière y a laissé plusieurs années, et Lethière a été formé comme ça. C'est l'œuvre est collective, on fait des copies, etc. Chacun travaille, c'est là qu'on apprend le métier. Chacun travaille sur une partie. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés dans les mains, d'autres dans les pieds. Voilà, donc les élèves, chacun. Donc moi, je suis absolument sûr que beaucoup de peintres qui vont devenir, certains, un peu plus connus au XIXe siècle, ont travaillé avec Lethière. Donc vous voyez que Doyen, c'est un homme de l'Ancien Régime, c'est un bon royaliste, peintre du roi, il va émigrer, il ira en Russie, il viendra d'ailleurs le petit ami de l'impératrice, ils auront une histoire, notre personnage, et
Et c'est le maître de Lethière et c'est aussi le maître de Vigée-le-Brun. Voici le général Dumas. Le tableau est perdu, mais il nous reste cette gravure. C'est le général Dumas en 1797. Son cheval a été tué, il n'est pas content du tout parce qu'il aime beaucoup son cheval et il va le faire payer très cher aux Autrichiens. Effectivement, dans une biographie j'ai pu parler, on voit qu'il y a pas mal de gens qui sont restés sur le cas. Alors pourquoi le Moniteur universel de 1819? Eh bien parce que les origines de Lethière que je vous ai à peu près révélées et qui échappent à la plupart des contemporains. Bon, Lethière, vous avez vu son apparence. Là, il est institut, il est un peu turbulent. On le soupçonne un peu d'être affilié à la charbonnerie. 1822, la charbonnerie est assez active. Hein. Au moment où le peintre est en train de faire son chef-d'œuvre, les quatre sergents de La Rochelle sont exécutés le 27 septembre. Et lui, il travaille en septembre. Donc, et avec toute la foule qui est massée, et les gens ne sont pas contents. Vous pouvez imaginer dans les milieux étudiants, et pas seulement, ce que ça représente. En 1819, il y a ce numéro du Moniteur universel qui paraît. Et ce numéro du Moniteur universel, sous prétexte de rendre compte d'un procès que Lethière a gagné, il révèle à tout le monde ses origines, sur deux pages. Alors, c'est par antiphrase, hein. Il dit, Thiers est vraiment formidable, etc. Il a un cousin qui le fait depuis 10 ans, qui lui fait un mauvais procès, qui prétend que c'est un bâtard. Mais nous allons vous révéler, alors je cite, sa modeste et naïve généalogie. Et d'une manière assez fielleuse, le journaliste balance tout. Il parle de Pépaille, et tout le monde comprend qu'il est né esclave. Ce n'est pas vraiment dit, tout le monde le comprend. Il est probable que, après cette publication, qui est reprise dans deux autres journaux avec une complaisance assez affirmée, il est probable que Lethière, qui a toujours dit qu'il était un homme de couleur, mais qui n'avait pas tellement envie qu'on dise qu'il était né esclave, on peut le comprendre, ni qu'il était contre l'esclavage, on pense qu'on peut penser qu'il a voulu une revanche. Et c'est peut-être à partir de là que lui vient l'idée. Je ne suis pas sûr, enfin, c'est du de faire ce fameux tableau. Alors ça, c'est ma trouvaille. Ça, c'est ma trouvaille. C'est, puis je terminerai là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus on aller trop loin, mais c'est une lettre qui est datée du 2 octobre 1822. Et elle est signée de l'abbé Grégoire. Elle est adressée. Je vous ai dit qu'ils étaient amis, elle est adressée au président Boyer. Et je vais vous en lire très très brièvement le contenu. Elle dit tout simplement au président Boyer qu'il y a un tableau qui va arriver. Et c'est donc une opération concertée. Il écrit au président d'Haïti, il dit que sur le même bâtiment. 2 octobre 1822. Ma lettre vous sera remise par Monsieur Lethière, fils, dont la couleur européenne ne décèle pas l'origine, car héritier des sentiments de son estimable père né à la Guadeloupe, ils se sont toujours honorés d'être homme de couleur. C'est à ce titre que le fils, avec son épouse, se rend à Haïti dans l'espérance de son adoption civique, et avec la résolution de concourir en tout au bonheur de cette nouvelle patrie. Son père, membre de l'Institut, est un des artistes les plus distingués, les plus célèbres de l'époque actuelle. Il était à Rome, directeur de l'école française, précisément en 1806, lorsque Saint Benoît le Mort fut canonisé. Ça, c'est un Africain qui vit au XVIe siècle, qui est effectivement devenu saint grâce à Picette. Ce souvenir le rattache affectueusement à tout ce qui concerne les enfants de l'Afrique. Il vous envoie par son fils un grand tableau qui est simultanément une preuve de cette affection et un ouvrage de génie. La religion et la liberté figurent avec éclat, en sorte qu'il peut être à votre choix placé ou dans une église
ou dans un hôtel du gouvernement, du Sénat, du corps législatif, du lycée, etc. Et il ne part pas tout seul, le tableau. Sur le même bâtiment, part pour Haïti M. Fournier, homme de couleur, médecin distingué, dont les ouvrages imprimés attestent les talents et qui, pour tout ce qui concerne l'hygiène sanitaire du pays et les diverses branches des essences médicales, peut rendre d'éminents services. Puis un troisième personnage, je ne vais pas vous lire toute la lettre, qui part aussi, il s'appelle Morenas, et Elzéar Morenas, c'est un abolitionniste notoire. Alors à partir de là, on peut se poser une question, et je vais conclure là-dessus. Est-ce que le fils de Thiers qui transporte le tableau, avec cette lettre du 2 octobre, quelques jours seulement après l'exécution des quatre sergents de La Rochelle, n'était pas impliqué dans l'affaire? On offre le tableau, mais bon, s'il a quand même envie de se faire oublier, parce qu'il dit quand même qu'il demande la nationalité haïtienne, part avec ce tableau. C'est une question qui restera pendante. Je veux simplement vous dire que ce tableau que j'ai essayé de vous présenter, je crois que je pourrais vous en parler longtemps, ce tableau, il représente quelque chose d'assez particulier entre la France et Haïti. En 2025, on va fêter le bicentenaire de la reconnaissance d'Haïti par la France. Cette reconnaissance, elle s'est faite moyennant une indemnité que les Haïtiens ont commencé à payer en 1825 et qu'ils vont payer jusqu'en 1952. Et il y aura des emprunts, des dettes, etc. Et ça va permettre à Haïti la situation prospère que vous avez vue sur le tableau de 1818. Aujourd'hui, le tableau est dans le hall d'une banque, qui est la Banque nationale d'Haïti, sous haute protection dans un quartier qui est tenu par des gangs. Je suis allé filmer le tableau il y a un an, non seulement dans une voiture blindée, mais avec une autre voiture blindée qui était derrière, avec des gens qui étaient armés, parce que les gangs sont armés avec des armes de guerre. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si le tableau sera là le 13 novembre pour l'inauguration de l'exposition. Ce tableau qui est parti d'ici, qui a été peint au 11 de la rue de l'Abbaye. Ce que je souhaite, c'est que d'ici là, il ne soit pas détruit, qu'il ne soit pas brûlé. Il a échappé à un tremblement de terre, il a échappé à l'usure du temps, on l'a retrouvé en 1991 dans une cathédrale. Et le vœu le plus cher que je peux exprimer ce soir, c'est que vous puissiez le voir. Je vous en ai beaucoup parlé, j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir, de l'admirer. Et peut-être que pour ce bicentenaire des relations franco-haïtiennes, qui sont, comme le disait dans le film, maintenant à titre posthume, ô combien complexes. Peut-être que ce serait une belle chose que le tableau puisse revenir le temps d'une exposition, et peut-être, sait-on jamais, repartir en ayant conquis les gens qui comptent, les gens du gouvernement, et peut-être qu'on pourrait permettre aux Haïtiens, et c'est là-dessus que termine Frédéric Mitterrand, que tu as vu, Jean-Pierre, et qui avait tenu juste avant de mourir à venir à la projection de mon film à l'UNESCO, peut-être qu'on pourrait permettre aux Haïtiens de construire dans leur musée une salle suffisamment haute, aussi haute que cet atelier du 11 rue de l'Abbaye, pour que tous les Haïtiens puissent voir le tableau enfin. Et il conclut en disant que ce serait le signe qu'une page tragique de l'histoire d'Haïti se termine et que la page est tournée. Elle est tournée pour moi. Je vous remercie de votre attention et d'avoir bravé la vue. Y a-t-il des questions? Islande? Ah. Entendez-vous? Vous n'avez pas parlé du grand tableau de France, des Thiers, qui rapporte à la Fondation des Collèges de France par François Ier et Marguerite de Eh bien, vous faites bien de signaler, effectivement. Alors, il y a eu plusieurs périodes. Je n'ai pas voulu faire. Moi, je ne suis pas historien de l'art. Je ne suis même pas historien d'ailleurs. Je suis philosophe, vous l'avez rappelé. Enfin, philosophe. C'était il y a longtemps. Mais il y a eu plusieurs périodes. Et il s'est adapté. C'est un peu le génie de Thiers. Il était à la fois un précurseur. Et il s'est adapté à la période qui a suivi. Et effectivement, le tableau, enfin, soit que vous faites allusion, s'inscrit bien sûr dans l'œuvre de Lethière,
Et c'est quelque chose qui est assez qui est un peu tardif, qui nous renvoie à la dernière période de Lethière, où il était, peut-on dire, peut-être un peu plus influencé par la mode. La mode, c'était, il a su s'adapter, c'était du style troubadour, comme on dit. Oui, le cardinaliste et le groupe du bazar français, le commissaire du gouvernement. Exactement, ouais, j'aurais pu. Vous avez bien compris, il y a une atmosphère de résistance en 1822, pas seulement contre l'esclavage, mais contre les Bourbons. C'est violent. Il y a des exécutions, bon, il y a des exécutions à la Martinique, c'est pas une question de couleur. Il y a ces quatre malheureux garçons qui n'ont pas fait grand-chose possible, mais quand même renversé le roi. Enfin, c'est violent. Et puis, bon, il y a eu, en 1820, l'histoire de Louvel et le combat à la Bibliothèque nationale. Bon, le square a été quand même mis à la prison. On a rasé l'opéra parce que l'héritier a été tué. Donc, on est dans une situation de guerre. Et puis, je vous ai quand même. Allez, Constance, j'ai une petite lettre encore à vous. Vous allez voir, c'est pas mal. J'ai une petite lettre à vous lire, parce que j'ai parlé du départ du tableau avec l'opération de l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire qui habitait 68 rue de Seine, le pensée de Boulevard Saint-Germain, c'est-à-dire à 300 mètres, très exactement, 350 mètres, j'ai mesuré 350 mètres de l'atelier de Lethière. Et quand il dit que c'est un tableau de génie, il est assez probable qu'il l'avait vu. Alors, c'est quelques lignes. Ça, c'est le rapport. C'est le rapport de l'espion qui apporte au prince. Alors, naturellement, il ne signe pas, mais le document est à Aix-en-Provence, dans les archives des colonies. Sur ce navire est revenu dans la colonie un autre jeune homme, monsieur Lethière, fils du peintre de ce nom. Il est venu au Port-au-Prince. Il avait spéculé sur un tableau représentant un noir et un mulâtre s'embrassant, foulant aux pieds des fers et se jurant fidélité sur l'autel de la patrie, une amitié éternelle. Cela n'a pas plu aux hommes de couleur. Ils ne veulent pas qu'on leur rappelle qu'il y avait des esclaves parmi eux. Monsieur Lethière avait en outre des gravures représentant un saint noir, canonisé il y a peu de temps. Et quoique Monsieur Lethière, le père, est en effet de couleur, né à la Guadeloupe, se soit annoncé comme étant de couleur, il n'a pas été mieux accueilli à cause de son tableau et de ses gravures. L'espion ne savait pas que... Lethière, le fils Auguste, avait une lettre de recommandation qu'évidemment il n'a pas brandie à l'arrivée. Imaginez la scène sur le quai de Port-au-Prince, plus de tableaux et parmi d'autres marchandises, et on soupçonne qu'il y a une introduction de fausse monnaie commanditée par la France pour déstabiliser Haïti, donc c'est compliqué. Il ne savait pas du tout qu'il y avait cette lettre et cette correspondance avec l'abbé Grégoire. Donc ça nous révèle un pan de l'histoire qui est tout à fait passionnant. Il y avait effectivement la main d'Haïti. Et comment Boyer pouvait-il financer les opérations? Et bien, j'ai découvert ça dans sa correspondance. Il envoie du café. Wow. Le café, ça vaut cher. Donc il envoie du café, donc ça... Tout ça est normal, il y a des complices au Havre, et quand on vend le café, effectivement, ça fait des fonds. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il va envoyer, Jean-Pierre Boyer, qui va envoyer 25 tonnes de café pour aider les Grecs, qui au même moment sont en train de conquérir leur liberté. Et c'est Haïti qui va être le premier pays à aider les Grecs. Et ils envoient non seulement 25 tonnes de café pour acheter des armes, mais aussi une centaine de combattants haïtiens qui vont se battre. Et vous savez que c'est la grande affaire du 19e siècle, la liberté de la Grèce. C'est ça qui va motiver tous ces jeunes gens. Donc toute cette histoire, elle est aussi liée à ça. Elle est complexe. Et vous avez bien compris, je mets encore un petit peu sous le pied. Et c'est pour cette raison que j'espère bientôt pouvoir publier le livre qui dira tout le reste, tout ce que je n'ai pas pu dire dans le documentaire, tout ce que je n'ai pas pu, par correction pour les gens qui nous accueillent, dire ce soir. Nous vous remercions beaucoup et nous espérons que... Oui, c'est pas...
Nous espérons que vos vœux seront comblés et que le tableau pourra être vu. Maintenant que vous l'avez vu en reproduction, nous pourrons aller le voir. En tout cas, très grand merci. Une simple petite question. Il n'y a pas de catalogue raisonné des œuvres de Lethière? Alors, il y a deux catalogues. Il y en a un qui n'est pas publié, qui est la thèse de Geneviève Capi, qui a été soutenue à Paris 4 en 1997. On doit pouvoir, là. Moi, j'en ai un exemplaire parce que Geneviève Capi, quelques années après, m'avait contacté et elle est décédée. Je me suis trouvé un exemplaire de sa thèse, qui était un peu aussi un testament avec une obligation de faire. Vous voyez, je fais, parce que je suis un homme de devoir et de parole. Et il y a plus récemment un catalogue, un énorme catalogue, qui a été fait en édition bilingue à l'initiative du Clark Art Institute, qui est le musée, le grand musée du Massachusetts, qui est perdu dans les bois, mais qui est néanmoins important, et qui est partagé aussi, il y a une version française qui est partagée avec le Louvre. Donc ce catalogue est dès à présent, il est un peu cher, je sais, 60 euros, voilà, c'est comme ça. Et puis il est assez lourd, c'est assez consistant. Mais il y a un catalogue des œuvres de Lethière et des notices qui sont très bien faites. Il n'y a peut-être pas tout ce que je vous ai dit là, mais il y a l'essentiel pour en savoir plus. Et puis pour les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'art, je pense qu'il y a énormément d'œuvres qui sont présentées là. Il y en a une assez particulière, je n'ai pas voulu la montrer parce que c'est un peu de l'ordre de l'intime, qui montre à quel point Lethière était proche de Lucien Bonaparte. On a eu le droit de l'utiliser dans le film. Les propriétaires qu'on ne connaît pas sont américains, nous avaient donné ce droit via une agence. C'est un tableau où on voit Alexandrine de Bléchamp qui est nue sur un, qui est allongée en odalisque, et Lucien qui est en romain, négligemment accoudé sur le lys, assez curieux. C'est, voilà, ça fait partie aussi de l'œuvre et ça montre aussi qu'ils étaient vraiment très intimes. Très grand merci encore. J'espère que nous aurons l'occasion d'admirer. Et puis, tous mes voeux de rétablissement donc, au président de la Société historique et à la première dame que je salue, qui n'ont pas pu venir pour nous préserver du vilain virus. Voilà. Merci à tous. Et les salariés.